Salut tout le monde, pour ceux qui ont suivi un peu mes réseaux dernièrement, j'ai décidé de faire une sorte de concept. Et si on s'appelait? C'est maintenant, ça commence maintenant. Bon, et si on s'appelait? C'est vraiment venu comme ça. Je me suis posé la question, avec qui j'échange? J'ai gagné plus de 70 000 followers sur TikTok. 2-3 000 sur Instagram, donc je voulais comprendre qui sont ces personnes qui me suivent. Donc aujourd'hui, je vais appeler au moins 5 personnes. Je sais que j'ai reçu plein de messages. J'ai mis une annonce sur Instagram où je demandais en fait à mes followers de m'envoyer leur numéro WhatsApp. Donc c'est dedans. Je vais les appeler en vidéo, en appel vidéo, et on va se découvrir ensemble, parler un peu, échanger. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis assez nerveuse. Je sais pas avec qui je vais tomber, comment ça va se passer, mais je veux leur accorder au moins un peu de temps pour échanger. Et c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages. J'avais dit que j'allais appeler 5. Je suis pas sûre. J'espère que je vais pas déborder. Mais allons-y, commençons. Je vais commencer par les followers de Instagram. C'est mon téléphone de travail, donc il est un peu lent, hein. Je vais prendre quelques messages d'Instagram. Regardez les messages que je reçois sur Instagram. Tout ça, c'est des messages, hein, je vous assure. Donc, je vais prendre un, disons, par ordre d'arrivée. Alors, je vais prendre Ariel Nyonzima. J'espère que je dis pas ton nom, j'ai pas écorché ton nom. Ariel, voilà son Insta. Voilà, je vais l'appeler et on va découvrir ensemble Ariel. Elle est du Burundi. T'es prêt? Okay, on va appeler Ariel. Ah, Ariel ne décroche pas. C'est dommage. Bon. Ariel n'a pas décroché. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Je vais tenter quelqu'un d'autre. Je savais que ça devait arriver. Je savais que certains ne pourraient peut-être pas être disponibles. C'est dommage, mais ce n'est pas fini. C'est pas grave. On va tester quelqu'un d'autre. Ah! Ariel me rappelle. Ça a coupé. Ah, la technologie, vraiment! Je rappelle Ariel. Ah! Ariel ne décroche plus. Ariel! Comment ça va, Ariel? J'avais dit que j'allais appeler. Ça va? Attends, je suis en train de filmer. J'ai bien montré que je suis en train de parler à Ariel. Ah, voilà. J'avais dit que j'allais appeler. Comment ça va? Ça va bien. Tu peux me parler de toi? D'où viens-tu? Burundi? Ah, d'accord. C'est bien au Burundi? Vas pas pouvoir parler. Tu sais, j'ai beaucoup de monde à appeler, hein? J'ai beaucoup de monde à appeler. Il faut prendre l'opportunité. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais me dire? J'ai vu que tu m'as envoyé un message. Donc je me suis dit, j'allais. Tu es la première en plus que j'appelle. En tout cas, tu fais partie des premières personnes qui m'ont ajouté. Hello! Vous avez regardé l'émission? Tout! Vous êtes comment? J'ai pas entendu. On est fan de toi.
Oh, c'est gentil. Moi, je tiens vraiment à appeler les gens, parler avec eux, apprendre à les connaître. Parce que pour l'instant, c'est dans un sens et il est important de savoir avec qui on parle. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas vous appeler? Et bam, Ariel est la première. Ariel est choquée. Ah non, la connexion a bugué. Ah, dommage. Bon, je vais devoir raccrocher. Ariel, si tu me vois, je sais que tu étais un peu choquée. Si tu me vois, sache que c'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais j'ai d'autres personnes à appeler. J'ai pas trop le choix. On essaye de garder contact, mais au moins, on a pu passer un moment ensemble. Prochaine personne.